solution of all of this, it's to solve the root of the problem, which is to give the Palestinian people them rights. Palestine! Palestine! Il y a l'inspecteur des travaux. Et lui, je vous le dis, hein, c'est un très 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 bon inspecteur des travaux. Il ne laissera rien passer. Il a sorti ses lunettes au début parce que c'est tellement blanc pour pas que ça l'éblouisse. Il a fini sans lunettes là. Il est en train de tout regarder. Est-ce que vous avez vu la tendance à fond sur les réseaux, sur TikTok, et de toute façon c'est coréen, de la glass skin, une peau super bien hydratée avec des pores beaucoup moins visibles, une peau beaucoup plus lisse. Je sors de la douche les filles, donc première étape, le fameux premier nettoyant, vu que avec les coréennes on est tout le temps sur des routines double nettoyantes. Donc là vous mettez un tout petit peu d'eau et vous allez venir émulsionner comme ça tout le visage. Là on va faire la routine bien complète parce que lui il est toujours là. Donc là il est pour là, je sais qu'avec l'acide salicylique, toute leur gamme, hop, il va disparaître très rapidement. La deuxième étape, double nettoyant, hop, la mousse à la grenade et à l'acide salicylique, c'est un de mes points. Non mais tout le monde va sauter ma gueule en fait, c'est pas possible. La khlela. La khlela. Arrête de mentir. Mais non mais c'est mieux que la arena. C'est mieux de dire ça que la arena. C'est mieux de dire khlela que arena. Khlela. 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 Dis-le bien. Khlela. 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 Hein? Khlela. 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 C'est une catastrophe, j'arrive jamais à le dire en fait. Tu diras jamais, je ne pourrai jamais le dire. Khlela. 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 J'essaie de vous écouter le dire et vous dites, on va manger de la khlela. La khlela. La khlela. Vas-y, on va la khlela. On va la khlela. Ah, c'est une catastrophe, j'abandonne ce mot. Hein? T'as vu, j'avais pas dit non, c'est normal, tu parles arabe. La khlela. Ouais. La khlela. Vas-y, dis la phrase. Donne-moi un peu de. Allez, je suis khlela. Hein? Vas-y. Allez, je suis khlela. Allez, je suis khlela. C'est une catastrophe, vas-y. Ça y est les meufs, je suis en voiture, je sors de ma caverne, ma caverne. J'étais pas sortie de la journée, il serait grand temps que j'aille voir un petit peu le monde extérieur. Je me suis vite fait maquiller, parce que j'ai passé toute la journée en pyjama pas maquillée. Là, Anas il est en train de partir aussi, enfin, il part chez le coiffeur. Moi, je vous emmène avec moi, il y a peut-être une semaine, une de mes abonnées m'avait dit Fidji. En termes de bons plans, on aimerait un magasin avec des abayas, des ensembles, des vêtements pas chers du tout. J'ai mené ma petite enquête et figurez-vous que j'ai trouvé. J'espère que c'est pas une douche, j'espère qu'on va pas se faire carotter ensemble, j'espère que je vais pas faire 30 minutes de route pour y arriver puisque c'est pas à côté de la maison les filles. Là je pars pour 30 minutes de route, ça ferme à 2h du mat, je suis trop choquée. Donc je me doute que ça va pouvoir en intéresser plus d'une. Donc c'est parti, let's go, je vous emmène avec moi, j'ai vu plein d'ensembles. D'après mes recherches, j'ai pas vu en vrai. Plein d'ensembles, plein de robes, plein de abaya, plein de kimono. J'ai arrivé du tout, je croyais que c'était un mini magasin, je vous emmenais. J'avais pas prévu du tout d'y rester des heures. Ça a l'air immense, il y a plusieurs étages. J'avais vraiment pas prévu ça ce soir, mais bon, je vous emmène avec moi. Ah,
petit peu comment ça se présente les filles. Effectivement, on a plusieurs étages. Je pensais qu'on était dans une boutique uniquement avec du prêt-à-porter, mais je me suis trompée. On dirait qu'on est encore une fois dans un genre de Action de Dubaï. Il y a la blinde de choses là-bas. Je vois que c'est le rayon hommes vêtements. Là, on a tout le coin vaisselle. Bref, les filles, je vous emmène avec moi. Ça a l'air vraiment immense. Là-bas, il y a Katia qui est déjà en train de faire ses petits repérages. Dès que vous arrivez dans le magasin, on va retrouver tous les rayons vaisselle. Je vais vous montrer un petit peu ce qu'on peut trouver. Bon, il y a plein de sets là, par exemple de tasses. Là, vous avez tout ce qui est théière, service de thé. Moi, quand on a cherché plus d'une fois ici, j'ai l'impression qu'il y aura un très très grand choix. Ensuite, l'appareil, vous voyez. Et donc, j'ai vraiment découvert ce magasin via TikTok en disant que c'était the bête de bon plan les filles. Non mais regardez le choix qu'il y a. Mais je sais que dans ce genre de magasin, il y a moyen que tu retrouves des pépites, tu vois. Mais je suis choquée de la taille des rayons pour les théières. Après, oui, ici, ils boivent énormément de thé, de café, tout ça, je veux bien l'entendre. Mais regardez, ça continue, mais il y en a vraiment partout, quoi. Il y a tous les styles. Tous les styles. Ça s'arrête absolument pas. Regardez, là, celle-ci. Avec tous les services de thé qui vont avec, bien sûr. Je sens que je vais faire des sacrées découvertes ici. Par exemple, pour le ramadan, je pense qu'il ne faut pas chercher ailleurs que dans cette boutique. On va retrouver tout ce style d'assiettes. Regardez, je vous emmène avec moi. Pour décorer vos tables, il y a un choix, mais hyper, hyper, hyper large. Vraiment, et ça ne s'arrête pas, hein, les filles, c'est tout le... Vous voyez le rayon que je vous ai filmé juste avant, je vous explique. Il y a écrit partout 70% cashback. On est bien d'accord. Je vous explique. Vous retrouverez tout ce que vous imaginez, ce que vous... pouvez vouloir pour votre maison. Non, mais toujours pas du choix, les filles. Là, je suis clairement dans le ramadan. Regardez, il y a tout pour carrément faire des buffets chez vous. Je me retourne, il y a aussi du mobilier. Vous avez aussi des petits espaces comme ça qui sont en vente. Non, mais c'est trop mimes. Ils vendent aussi plein de mobilier. Vous voyez des tables. Oh, il y a de tout. Là, on est sur 30 AED, entre 5 à 8 euros. Si les filles me voilà dans le rayon femme, c'est juste immense. Dites-vous, dans la zone où je me trouve, on est uniquement sur les ensembles. Je vais vous montrer. En général, la plupart des ensembles que j'ai trouvés, ils sont d'une valeur à peu près de 15 euros. Donc vous voyez, il y en a des tonnes. Il y a tout cela là-bas qu'on a déjà vu sur plein de marques que j'ai déjà pu vous proposer d'ailleurs. Regardez les filles, il y en a vraiment plein pour tous les styles. Attendez, je recule, je vous montre. Ça va jamais s'arrêter. Ensuite, on a ce genre de robe, les filles, vous voyez, en matière un petit peu satinée. Elles sont à 9 euros, enfin 8,50 euros exactement. Pareil, vous les avez en toutes les couleurs. Donc, il y a quelques bonnes affaires, mais pas tout. Franchement, je vais pas vous mentir, là, on a encore plein de robes juste ici. En fait, tu vas retrouver tout ce que tu peux avoir sur le marché. Sauf qu'ici il n'y a pas de marché, donc faut venir ici pour avoir des bonnes affaires comme celle-ci. Les meufs, bon, je viens de rentrer à la maison. Sur Snapchat, je vous ai partagé un bon plan du soir. Je me suis rendue dans une boutique qui était clairement un immense Jiffy de Dubaï. Vous pouvez retrouver tout ce que vous pouvez imaginer à des prix assez réduits. C'était impressionnant. À chaque fois, en fait, tout est démesuré ici. En même temps, quand tu regardes les maisons, enfin les pièces, tout est grand. Du coup, tu vas dans un magasin sur les réseaux. J'avais cru que c'était une petite boutique. Je me suis dit, ah là, je suis partie chez le coiffeur. Je me suis dit, bon, bah, le temps qu'il est chez le coiffeur, je vais aller dans ce magasin-là. Genre, j'en ai pour 30 minutes dans le magasin. Je suis arrivée, c'était tellement immense. Ah là, tu m'as dit, t'en as pour combien de temps? J'ai bientôt fini. Je me suis dit, oh my god, tu es qu'au début du magasin. Vraiment, donc pour celles que ça intéresse, je vous ai partagé ça sur Snapchat. Tout en détail, il y a des bonnes affaires, bref, vous verrez pour celles que ça intéresse. Celles qui ont vu, qui me regardent depuis Snapchat là, donc je suis de retour à la maison, je vais me faire plaisir, je vais me faire du bien. Là, je vais aller, donc je vais me faire un méga gommage sur tout le corps. Je le fais à peu près, franchement, je vais pas vous mentir, je le fais une fois toutes les deux semaines parce que je prends pas le temps. Mais quand je le fais, ma peau, j'ai une peau de bébé, une peau tellement douce. Les filles, ce gant là, c'est de Skin Pop. Je vais vous montrer, il faut juste le mouiller. Je vais frotter là sur mes bras, mes cuisses. Je vais vous montrer tout ce que ça retire.
C'est trop choquant. Ça traite 18 problèmes de peau. Simplement avec de l'eau, vous passez comme ça, ça va vous retirer toutes les peaux mortes, les points noirs, la peau de fraise. Vous savez, les filles, au niveau, il y en a qui l'ont au niveau des bras, c'est quand tu touches et ça fait comme des tout petits boutons. C'est pas des boutons, mais vous voyez ce que je veux dire, genre une peau de fraise. Eh bien, il y en a, genre ça sur les fesses, sur les cuisses. Ça enlève tout, les taches, ça atténue les vergetures aussi, les filles. On est sur un gant 100% soie de Turquie. Attention à ne pas confondre avec le gant Kasa. Je crois que c'est comme ça qu'on dit. Le gant que vous retrouvez souvent dans les hammams marocains et tout. Vous avez été nombreuses à m'écrire en me disant que ça y ressemblait. Ce n'est pas du tout la même chose. Ça, c'est indolore. Ça ne fait absolument pas mal. Tu mouilles, t'as besoin de rien d'autre. Pas de savon noir, rien, juste de l'eau. Ça va te décrasser. C'est un truc de fou. Bref, je vous montre tout de suite. Et sur le visage, moi, je sais que sur le visage, sur le corps, je le fais une fois toutes les deux semaines. Mais franchement, il faut le faire une fois par semaine pour avoir une peau trop lisse. Mais sur le visage, par contre, je le fais une fois par semaine. Et au niveau de mon teint, quand je le fais, c'est quand je me maquille que je le vois vraiment. J'ai une peau méga lisse avec mon make-up. Alors que quand je n'utilise pas, bah, ma peau, elle est un peu plus rugueuse. Elle est moins nette et mon maquillage, il fait beaucoup, beaucoup moins lisse. Donc, vous allez pouvoir retrouver ce gant. Et c'est une dinguerie. Il élimine les peaux mortes, taches, poils incarnés, vergetures, la peau de fraise et 10 autres problèmes. Il favorise le renouvellement cellulaire, améliore l'élasticité de la peau. Et surtout, il nettoie et purifie la peau en profondeur, sans douleur ni irritation. C'est le meilleur gommage du monde entier. Non mais c'est pas possible. Toute ma vie, j'utilisais des gommages à grains, à base de sucre, de café et tout. Mais c'est quoi ça? Possible en fait, c'est quoi ça? Ça c'est ma cuisse. Oh là 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 là, je suis choquée. Ça va vous permettre de plus du tout avoir de poils incarnés aussi, genre c'est une dinguerie. Ça lisse la peau. Oh, non mais c'est trop en fait. Les filles, rendez-vous sur le site Skin Pop quand je vous dis que ce gant, c'est de la folie. Alors oui, c'est exactement le même, sauf que la couleur a changé. Vous cliquez sur ajouter au panier, sachez que vous avez moins 30% avec mon code promo, donc franchement, profitez-en. Comme je vous l'ai dit, que ce soit sur le visage ou sur le corps, on est vraiment sur une dinguerie. Le code, c'est FIJI30 et votre gant vous revient à 20,99€. Les meufs, j'attends vos retours. Vous allez voir votre peau, comment elle va changer.